Et coucou! Heureux, ceux qui étaient là ce matin pour qu'on finisse Far Cry et. C'est bon, des nouvelles quêtes. On va jouer à Pokémon. Sachant que Pokémon, le seul que j'ai fait en vrai, bah c'est lui. J'ai jamais pu retoucher un Pokémon de ma vie. Ah bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est Chen. Chen, pas de Chen. Les gens souvent m'appellent le prof Pokémon. Allez là, Rosof. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. D'abord, quel est ton nom? Non. Alors, je vous ai tous mis dans une grande roue et je tirais au sort à chaque fois mon rival. Le rival l'a déjà été tiré. Moi, je mets mon prénom. C'est ça, c'est... Il a mis Silu en plus. Attends, c'est moche. Un truc propre. Ok, ton nom est donc Sylve. Je suis mon petit-fils, mon rival depuis sa toute jeunesse. C'est quoi donc son nom déjà? Quel oncle de merde. Oh, et puis ça rentre pile poil, c'est pas incroyable. Ah oui, je me souviens, son nom est Moliman. Sylve, la quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Dingue! Oh, je joue à la Super NES. Maman. J'avais lu merde. Bon, arrive qu'un jour le fils aimé quitte la maison, c'est la vie. Professeur Chen te cherche. Il est dans la maison voisine. On sait que ça va être... C'est super dangereux. Les Pokémon sauvages infestent l'herbe. Il te faut un Pokémon pour te protéger. J'ai trouvé. Suis-moi. Pépé. Non, c'est Molly, je vais faire. J'en ai marre de l'attendre. Je vais pas faire ça tout le long, c'est pas possible. Molly m'a. Ah, c'est vrai, je t'ai dit de venir. Tiens, Sylve. Aussi trois Pokémon. Mais. Ils sont dans des Pokéballs. Jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Et oui. Mais avec l'âge, il m'en reste plus que trois. 10 ans, hein. Ah, Pépé. Mon Pépé. Et moi. Patience, Moliman. Tu en auras aussi. Le choix ne se pose pas du tout. Goat. Ce Pokémon est très énergique. Et hop, un petit carapuce. Alors moi, je ne soudonne pas mes Pokémon. Début bizarre. Les 150, let's go! Rotifa. Ton Pokémon te protégera des Pokémon sauvages. Tiens! Pokémon va se battre. Inutile. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Sors le câble Link, je t'envoie les deux autres starters. Allez, go! Oh, bizarre. Moliman.
Je vais perdre. Vas-y. Tu vas gagner. Allez. Bon, it's over. Bien. Oh, trop facile, niveau 6. Quoi? Incroyable, j'ai pas pris le bon Pokémon. Ok, je vais entraîner mon Pokémon. Til, Pépé, à plus tard. Oh là, Carapuce, il a pris cher. Merde, je joue. La triche. Allez, des Ratata et des Roucoules. Encore de Pokéball. Ah non, il s'est fait le PV. Oh, le crit. Je vais tellement poncer les jeux hors stream pour level up comme un gros porc. Ça va être dingue. Hein. J'ai regardé un truc parce que moi, quand je joue à Pokémon, enfin la seule façon que j'ai joué à Pokémon de ma vie, c'est que j'ai Carapuce et c'est tout. je joue jamais avec d'autres Pokémon parce que j'ai la flemme de faire des combats pour les faire évoluer. Et du coup, je savais pas qu'il y avait un multi-XP dans ce. Il faut capturer 50 Pokémon différents. Oh. Je sens que la quête, ça va être low pour 100 quests. Pas forcément, mais je dis en stream, genre c'est même pas, il serait même pas étonnant que genre le prochain stream, j'ai déjà un Tortank quoi, avec un badge quoi. Mon but c'est vraiment de rouler sur les jeux en stream et pas montrer les level up quoi. Mais je vais crever. Arrête de faire tornade, fais cuicui ou je sais pas quoi, non. On est arrivé. Oh. Bonjour Pokémon. Soigné. Pêche qu'elle dinguerie pour l'époque le jeu. Ah ouais. Bonjour, je t'ai passé mes Pokémon, soignez-les, je reviens dans 5 minutes. Ça. Hey, tu viens du Bourg-Palette. Tu connais le professeur Chen? Sa commande vient d'arriver. Peux-tu les lui apporter? Le colis du professeur Chen. T'as acheté des trucs aussi? Ah non, sur le... Quoi, sur le retour? Il faut à quel point on est passé de dinguerie de faire tourner sur ça. Voilà. Ah putain, mais... Écoutez de notre gueule, les Michel. Ouais. Dis-toi, moi, j'ai découvert Pokémon. Pas en achetant le jeu. On achetait très peu de jeux quand on était au Québec, on louait les jeux. Sur Super NES et sur... Sur Super NES et 64, surtout le PS1. Et Pokémon, moi, bleu, j'ai trouvé la cartouche en bas de chez moi dans l'herbe. Un gamin qui l'a oublié. Bah, j'ai pas réfléchi, hein. Je l'ai gardé, hein. C'est comme ça que j'ai eu le Pokémon bleu. Ouais. L'enflure. Bah c'est raccord avec le jeu, je me travais dans les hautes herbes, j'ai trouvé un Pokémon et je l'ai gardé quoi. C'est comme ça que ça marche, non?
Ah, j'en ai déjà plus. Minutes, je suis déjà au bout. Story, je voulais Pokémon, ma mère m'a dit on peut pas maintenant, je suis allé au bureau de tabac, j'ai pris un banco avec mes 5 francs, j'ai gagné 500 francs, j'ai acheté Pokémon. GG. Il était à combien à l'époque Pokémon? Quasiment à ce prix-là, non? Non, les jeux Game Boy étaient pas à 450 francs quand même. 150? Non? 300 balles? Sylve, comment est ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime bien. Tu m'as l'air doué pour entraîner les Pokémon. Comment? Quelque chose à me donner? 150 francs, ouais, c'est... T'as même pas pris les deux versions, choqué. Ah, c'est la Pokéball que j'ai commandé. Merci. Pépé! Pépé, quoi. Ça. Pourquoi tu m'as appelé? Bon, j'ai une faveur à vous demander. Il y a sur ce bureau mon invention. Edex. Il enregistre des informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. Comme une encyclopédie. Sylvain Molyman, prenez ces Pokédex. Ah, parce que j'ai dû partager avec ma sœur. Oh là là, pua. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier. C'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je vais vous terminer mon travail. Allez, roulez jeunesse. Que la grande quête des Pokémon commence. Ok Pépé, donne-les-moi tous. Sylve, c'est clair, j'ai pas besoin de toi, minable. Je sais, je vais voler une carte à ma sœur. Je lui dirai de ne pas t'en donner une, yark. La Molly, c'est un bâtard. Bon, par contre, ton Salamèche, il sert à rien, tu veux pas me le filer? On va l'avoir, on va voir la sœur de Molly. À la carte. Ah non, c'est chez moi ça. Ma mère soigne les Pokémon? Comment ça? On doit faire une course pour Pépé. Prends ceci, ça peut servir. Ouais, la carte. Allez. Attendez deux secondes. Et heureux, pardon. On n'a pas de Pokéball, hein. Là, je vais devoir en acheter après, ouais. Luffy, le joueur de... Oui, de... Il me fume, catégorie du jeu Street Fighter 6, nom du stream, Street Fighter 6, tout le temps. Moi, ce qui me fume, c'est qu'il joue encore à la manette PS1, quoi. Attends, j'ai demandé à KTH de m'envoyer des Pokémon, il a commencé Pokémon bleu début de semaine aussi. Ce week-end.
J'ai toujours le réflexe des vieilles strats qui marchaient pas. Quand t'appuies, c'est quand tu fais un coup. On rappelle, nous on appuyait sur A et en arrière pour que ça descende la vie. Et quand tu prends un coup, B mais en avant pour pas que ça. Je me suis dit, bon, on faisait tout ça quoi. On faisait ça aussi ou... En vrai, pour cet exercice, c'est théoriquement mieux qu'un pad avec les commandes. Non, ah, moi je faisais tout le monde à l'école et tout. On faisait tout ça. Hein. Genre, on pensait que ça jouait sur le truc quoi. pour faire descendre la vie. Par contre, je faisais bas plus B pour augmenter les taux de capture. Ah, ça marche, ça, du coup. Ça, c'est... Ok. Non. Ah, ok. Ça aussi, voilà. Pareil, bah, on a tous nos strats à la con. on a tous des strats à la con, quoi. Lâcher des Pokéballs. J'en veux 80. J'ai pas assez. Bon, on va en prendre une dizaine. Je vais pas croiser de façon 10 Pokémon différents, je pense, d'ici là. Vendre des trucs déjà. Je vends mes Pokéballs. On va juste aller capturer un Rattata et un Rukul. On s'en fout des niveaux, c'est juste pour avoir des stats de à niveau 3. Je jouerai jamais avec eux. Pardon. Ouais, j'ai un Rattata. Sa morsure est très puissante. Petit et rapide, on en voit un peu partout. Il donne sûrement un Rattata, non. Et je me dis qu'après cette quête-là, si je one-shot pas tous les Poké Hurdle et le Poké Doku, là, je pète mon crâne. Une petite charge pour même si je dois même si je l'attrape easy je pense voilà. Je m'asseyais sur ma Game Boy SP fermée pour prier la RNG de la capture quoi. attends qu'est-ce que c'est dinguerie pardon genre tu lançais une capture tu fermais l'écran de ta SP tu t'assouvais dessus mais c'est quoi ce bordel. qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il dit c'était ma strat gamin pour capturer c'est pas je te crois non c'est pas possible. Il est souvent vu dans les forêts, il brasse l'air de ses ailes près du sol pour projeter du sable. Vraiment? Oh putain, mais la strat! Elle est exceptionnelle! Putain, il pétait sur les Pokémon, quoi! Non mais ça se comprend, la Game SP tu la fermes du coup pour l'empêcher de se rouvrir, c'est legit. Non. Je sais pas, j'étais gamin, je me souviens pas de pourquoi je faisais ça. Oui mais c'était l'année dernière donc tard quand même. Non c'était hier. Attends, on a besoin de quoi Non, attends, il évolue quand? C'est 16-36 ou c'est 18-36? Je crois que c'est 18-36. On go direction... Roi de Jade. Vous me
verrais jamais rentrer dans un bâtiment en fait. J'ai rien moi. À part aller tout droit. Je parle à personne. On a rien à foutre. Oh non, ça va speedrun les Pokémon. Ah bah mon but c'est pas non plus que ça dure 6 mois. Hein. Ah, je pense que vous ne me verrez jamais utiliser des attaques genre Mimikeu et tout le bordel, je l'ai jamais fait. Je me souviens quand je voulais faire le All Pokémon de toutes les versions. Ah putain, ouais, mais faut. Je suis allé à la moitié de la version bleue, j'ai arrêté. Ouais, c'est. Je pense que quand t'es gamin, c'est. Ça peut être cool à faire, mais après quand t'es. Chiant. Mimikeu. Ah je sais pas, moi je connais plein qui disent ouais les attaques genre que ça diminue la défense et maxin et tout le reste. J'ai des gens qui jouent. Ils font rien comme ça. Attends, je vais diminuer sa défense et tout, j'ai jamais compris. Donc là on a quoi? De l'aspicot, du chenipan, peut-être du chrysacier, peut-être du. Ah merde, comment c'est Kakuna déjà? Coconfort. Et peut-être du Pikachu avec de la chatte. Des fois on peut tomber sur un Pikachu ici. Là. Moi j'avais la patience pour tout capturer, monter tout niveau 100, mais là j'ai la flemme à tuer. Et hop, Aspico! Il se nourrit de feuilles dans les forêts. L'aiguillon sur son front est empoisonné. Un dresseur, hop. Sur la 1G, j'avais le compteur de l'e-Pokémon. Ah, 500. Ah ouais. Scoot. Oh, niveau 6. Là, ça rigole plus, ça rigole plus. Je perds de la vitesse. Il attaque en premier. T'as vu que ça sert. Oh, je veux pas être en. Par contre, je veux pas être empoisonné. Chiant. J'ai rien acheté, pas d'antidote. J'aurais peut-être dû acheter un antidote ou deux, non? Bon, ça, je suis Nippon est plus rapide que moi. Je suis encore sous l'effet de la sécrétion de Aspico, j'imagine. Non, Chenipon, on n'y arrivera pas. Ah, un dresseur de Pokémon, un vrai, on se devine jamais. Il est où celui qui aime les shorts là? Il a 3 Pokémon. Attends, ouf. Et baisser les stats des Pokémon adverses, tu viens quand tu vas te tuer avec ça. Non, tu augmentes ton attaque, bah, Pokémon en face meurt, genre de juste. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que les attaques baissant le set adverse, ça pue la merde. Bah moi quand j'étais petit, une attaque qui ne fait pas de dégâts, je comprenais pas en fait. Et vu que je lisais pas les stats ou les machins, j'en avais rien à foutre. Kakuna. Non, ça va être long. Et niveau 11, ça monte, ça monte.
y a un pourcentage de chance qu'on tombe sur un Dardanian ou un Dardarnian ou un Papillusion dans la forêt. Je sais qu'il y a des petites pokéballs à récupérer là. Ah bah tiens, les crises d'acier. Pardon! Slam, ça fait tant d'attaques, donc 50% que tu as ta double dégâts dans le monde. Ouais, ouais, mais ça, tu m'intéresserais peut-être, je sais pas, je regarderai voir si je veux. Il est vulnérable aux attaques tant que sa carapace fragile explose son corps tendre et mou. Mais j'ai loupé tous les objets là, ils sont où? Voilà, hein. Il y en a un en bas à gauche, je crois, non? Il fuit. Non, je fuis pas, je cherche. Je me demande si je devrais pas aller soigner mon Pokémon. Regardez quelle belle équipe de trous du cul, regarde. Waouh, ils sont. Et si j'ai besoin d'un Crisacier pour combattre, quoi. Je me rappelle, j'avais un pote qui jouait. Paul comme un bâtard sur Rub. Laran, il mettait 3 heures à faire la ligue, mais il était incroyable. 3 heures. Speedrunner déjà, quoi. Défense, d'accord. Merci de la précision, parce que j'ai lu, mais... Pokémon ont la super pêche. Utiliser racine, vampigraine et augmenter sa défense. Ah, il a pas de potion lui. The fuck, bro? Caché là-dedans, j'ai tellement la flemme que... Pipit, c'est des golden nuggets. Ok. Bien sûr, on a déjà... Chenipon, on l'a pris? Non. Oh putain, j'ai peur de le tuer là. Oh.
Merde, il loue l'objet. On va sortir là bientôt. Là. Est-ce qu'il y a des Pokémon? Ah oui, là. Celui-là que je cherchais. Voilà, potion, parfait. Il y a des Pokémon dans votre forêt Pokémon ou pas là? Hop hop, minute, on n'est pas pressé. Parle pour toi. Bon, allez, scout là, sors-moi tes insectes. Ah bah, un seul. Bon, un Spico niveau 9. La dinguerie. Critique. Non! Je suis PSN! Je suis PlayStation Network, putain! Là, j'abandonne, t'es trop fort. On va pas partir sans au moins un chenipan. 5. Peut-être un... Est-ce que l'écume ça tue? Non mais, une furie comme ça. Oh cool. Recapturé. Keto d'azer. Ces petites pattes sont équipées de ventouses, permettant de grimper au mur. Est-ce qu'on cherche un Pikachu ou une merde comme ça? Ah, peut-être un cocon fort que j'ai pas. Wesh. Allez, putain, mais... Quand tu veux pas rencontrer de Pokémon, ça pop à chaque fois, mais là, y a... Oh, y'a des gens dans les hautes herbes là! C'est une dinguerie là! Ah, y'a des herbes dans la forêt qui ne connaissent pas de Pokémon, carrément! Ouais, mais là, dans toute la section que j'ai fait, y'en a forcément! Il y a des carrés, des petites fleurs. Ah ouais. Ah, genre ça? Ah. Marche. Oh bah là, il y en avait aucun. Il y a aucune petite fleur là. Il fout l'herbe. Non mais on peut. Matt! J'en peux plus! Ah merci! Ah oui! Parfait, bon, on se cassera. Pikachu, tant pis. Seul qui me manquait, on va dire. Allez, pitié, tue pas. Incapable de se déplacer de lui-même, il se défend en durcissant ses carapaces. Il y a quoi? Toujours des ratata, des roucoules là-dedans? C'est pas là où il y a des nidorans.
Même là, tu sors d'ici, ils sont niveau 3, quoi. Je suis même pas un niveau 3, quoi. C'est Argenteuil, sinon. Ah oui, il dit l'astuce. Attends, c'est ça, attends. Que j'ai lu, non? Ouais, voilà, c'est genre la technique de t'envoies ton Pokémon caca, tu le rappelles et tu gagnes le combat contre un truc trop fort et il te spé, quoi. Est-ce que c'était chiant de faire ça? Sont plus faciles à capturer une fois endormi, c'est attraper un Pokémon, c'est jamais du tout. Certaines attaques ne sont enseignées que par des dresseurs. J'ai que 1300 balles. J'ai rien gagné du coup. Tu es allé au musée? Non, mais il faut y aller, voyons. Je savais même pas que ça faisait ça. Tata. C'est par là l'entrée. Payante, mais ça vaut le coup. Ciao. On va déjà défoncer Pierre. Est-ce qu'on peut le défoncer déjà Pierre avec un niveau 12? Après c'est des Pokémon roche sol. Vraiment on leur fout misère, non? Salut graine de champion. Je suis pas dresseur mais mes conseils sont avisés. Soit te mener à la victoire. Ok, c'est parti. Premier Pokémon apparaissant dans un combat et celui en tête de liste. Oh non, d'accord, non. Arrête Pokémon d'Argenta. Ah non, Argenteuil. Argenteuil, c'est une vraie vie en fait, non? Champion Pierre. Vainqueur Moliman. Oh, c'est mon vieux Molly. On peut aller faire Pierre direct, quoi. Je combat quand même. Minute gamin, tu prends loin de Pierre. Je vais devoir m'affronter. Dresseur Junior. Mal. Mais avec son racaillou et son, surtout son onyx. Hein. Ici le sprite de sa tête. Je vais le soigner après, de toute façon. Niveau 13. Zut. La flûte. J'aurais dû te laisser passer. On va pas oublier de sauvegarder parce que c'est vrai que. Je suis sûr de m'en laisser sa bouche. Oui, c'est pas son nez, hein. Écoute, on a toujours la bouche ouverte, en fait.
Les pierres, on va défoncer. On va essayer surtout. Je suis pierre, je suis champion argentin. Je crois en la grande résistance de la pierre. Pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre? Toujours te battre avec moi? Très bien, regarde, pierre. Mais j'ai pas pistolet à eau, j'ai que écume. Écume, ça marche du coup? C'est de la flotte, non? Ciao. Bon allez. Putain, mais j'ai eu plus de mal contre le dresseur juste avant, quoi. Je one shot cette beau combat. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Roche. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Attends, prends ça avec toi. C'était 34. C'était Capsule Tech. Technique contient une attaque à enseigner à un Pokémon. C'était ne marche qu'une fois, alors choisis bien le Pokémon. Patience. Absorbera les dégâts pour ensuite infliger le double. Flash, c'est... Je peux utiliser Flash, mais est-ce que j'ai déjà Flash? C'est... Avis. Signal des voleurs de fossiles de Pokémon sur le mont Sélénite. Pas contacter la police d'Argentin. Photo. Fillette veut se battre. Oh, please. Oh, pistolet à eau. Tiens ma photo, je pas putain. Putain les années 90 quoi, des filles, qui donnent des photos. C'est fini ça. Stop. Sois
Soigne-moi mon carapuce, s'il te plaît. Ça a soigné, de toute façon. Eh, on s'est déjà vu dans la forêt de Jade. Si dans la forêt de Jade, tu n'es plus là. Scout! Encore battu. Yaha, j'adore les shorts, viens de battre. Ah c'est lui. Vendeur de shorts. Kid Paddle veut se battre. Gamin. Bientôt ça évolue. C'est 16 ou 18? C'est 16-36 ou 18-36? Je sais plus. Je crois que c'est 16, ouais, c'est bon. Petit carabaf là. Ah beau. Ah beau, tu peux le capturer dans bleu ou c'est que dans rouge? Je sais pas souvent. S'il est là, c'est que tu peux le capturer, non? Ah, m'a taillé un short. Ouf. Carapuce évolue. Et bim, petit carabaf. J'ai pas souvenir quand j'étais petit, je mettais moins d'une heure à avoir un carabaf. Salut. Un dresseur, attaque. C'est moi, tu vois. Scout. Moi, c'est 14-32, je sais plus. Les starters sont comme ça. Ouais, ça dépend.
Là, le jeu commence à être intéressant. Lag. Stickram niveau 14. Et niveau 17. Il semble aussi, ouais. Il est pas Kaiminus ? Ah non, vous, non, c'est pas pareil. C'est vrai que oui, Stickram, mais ça... Ah, d'être les Pokémon feu. Peut-être que c'est plus dur du coup. Je sais que le début avec Salamèche là de Pokémon là c'est chaud quand même. 18 et 30. Et t'as pas de short. Gamin. Oh Piafabec. Perdu. Pas me soigner encore. Donc, beau ténébreux. On se boxe. Tu veux qu'on se tire l'oreille. Mal. Hop, ça dégage. Sois gentil. Les gars, famille, nouveau Pokémon. Très nouveau. Ouais. Et 18. À la moitié d'un Tortank. Eh, hey, tu m'as touché là. Voilà. Non, 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 je ne veux pas de problème. J'ai rien fait. Harcèlement là, bah oui. Plus fillette quoi, pitié. Ne m'endors pas. Je veux pas dormir. Je peux pas me battre avec mes autres Pokémon. Out of contest. Pas moi. Je vais retourner dans les hautes herbes après. Juste choper un poké centre. Il y a sûrement des Pokémon intéressants. Thank you.
5. Je vais l'éclater en fait, non? En force, c'est bon. Je le one-shot pas. Merde. C'est un peu à rien, du coup. Niveau 3, quoi. Même si je fais mimiqueux, je pense que je le one-shot. Quand je dors. Il dort encore? Il joue au poké centre, c'est bon. Enlève tous les statuts, ça. Mais aller au poké centre, ça enlève les statues, genre poison et tout le bordel, non? C'est que les items. Les gommons sélénites. Là, il y a des Pokémon. Ah, caillou! Sur un petit. Parfait. Chauve-souris. Déplace en colonie dans les endroits sombres. C'est un langage de façon. On est. Ush. Oh mais le scout il s'est perdu là. Ah, tu m'as eu.
aussi la Kaira. Mais... Prochaine. Fais gaffe, les Nosferati sont des vampires. Quoi ? J'attends mes potes ici. Ok, des bisous off. A bientôt. Bonne journée. Bien fait. Sorti là-dedans. Oh, tu me cherches? Un télo. Mais non, c'est mon solinite, c'est pas la même chose que la grosse caverne avec les racailloux, les onyx et tout. Solinite, c'est quoi? C'est des mélos. C'est un petit poison. Oh, please! Vampirisme! Hurlant dans la nuit! Ces grottes pour aller à Azuria. Son armure fait quand même la diff. Hein. J'ai perdu. Oula, c'est plus balèze que je le croyais ici. Oh, Mister. Alors là, l'attaque de flotte, ça va pas servir à grand chose.
Oh, sérieux? C'est vrai qu'il n'est pas si grand que ça, le mont Céline. Ah! Intéressant. J'ai pas le choix, sinon je le one-shot. Hop là, un petit racaillou. Vit dans les plaines ou les montagnes. On fond souvent avec un petit caillou. Ici, alors du balai le mouflet. Elle doit se battre. La Nosferatu. Oh, please! C'est horrible cette attaque. Non, charge! Bah non, c'est pas là. Je suis con, je pensais que c'était déjà la fin, mais non. Si là. Ouais. Voilà, c'était. Ah ouais, ultime à point. Thank you.
Merci. Merde. Non, je sais plus où aller du coup. La pierre lune. Ah, tu m'as fait peur. Quoi? La mioche. Ils sont où les vélophées là? Les montagnards. Désolé montagnard, mais bon. J'ai un peu éclaté. Wow, tu m'as encore fait peur. J'ai hâte des streams le matin quand je me lève à 8h. Et essayer de pas me rendormir devant quoi. Petit gamin ne s'occupe pas des affaires des grands. Ouh, le joli rat attaque. Je suis épuisé. Ah, qui dis-tu? Thank you.
Allez, des bisous à Caillou. Ah! C'est une autre charge, mais putain... Oh non... Ça capture jamais, là, en fait. Je perds en force, ouais. Attaque avec Eric. 100% je la défonce. Ah non, c'est bon. Merci le rugissement qui me fait perdre de la force. Hein. Parfait, qui m'a fait. J'ai une pierre lune, je pourrais même vous faire évoluer en Medoldev direct, mais non. Très recherché pour son aura mystique, il est très rare et ne vit que dans des endroits. La Team Rocket trouvera les fossiles et fera fortune. Voilà, les fossiles sont à moi, pas touche. Oh, je sais plus, c'est Kabuto. Kabuto ou Manita. Manita. C'est en français, j'ai plus les noms en français des fois. Alors, tête mort. Ça marche, ça Manita, je crois. Ammonita. Oh merde, je sais plus. Prendre un au pif, de toute façon, j'utiliserai pas. Donc. Je vais peut-être level up après ce combat quand même. Ok, on partage. C'est le Nautil. Alors Nautil, je me dis, oh, oui, c'est... Ok, je prends celui-ci. Parfait. Route 4, mon Sélénite, Azuria. Ratata.
Pas des ratatas, des nids d'orange, je veux dire. Ratata, mais ça. Oh, un sablette. Niveau 6. Bah, c'est mort en plus. En plus, j'ai que des attaques de flotte. On se casse. Là, on arrive à Azuria. Jagados se balade. C'est cette ville là où il y a le pont. Il y a Léo tout en haut. Caverne de Mewtwo. C'est là. Yo, Sylve. Alors je t'en sors. Moi c'est le pied, j'ai chopé un tas de Pokémon méga puissants et tétra balèze. On va voir ce que t'as. Là, voilà. Là j'ai un Carabaf, c'est tout. Le reste, ça sert à rien. Oups. Il va me défoncer. J'ai qu'un Pokémon. Bizarre qui n'aime pas évoluer. Lol. Non. Putain, mais sérieux? On va te jouer? What? Qui sert à rien. Oh putain, je vais me faire éclater, je vais me faire défoncer. Et rugissement. Attaque de merde, je sais pas.
Oh non. Ouais, c'est mort. C'est nul à chier, putain. Bah ouais, mais bon. L'attaque de flotte, ça va marcher. Mais je... il loupe toutes ses attaques, monsieur. Début, ok. C'est tout fait pour pas que je gagne le combat, en fait. J'ai fait baiser. Pas abandonner le combat en fait. À l'attaque! Putain, mais c'était win. Là, il fait rugissement jusqu'au bout. Pourquoi ça me fait que 8 de dégâts là. On va l'empoisonner. Allez, let's go, chenipan, ouais. Dick. Enfin. Ouais, je suis trop bon ou bien. Fais chier, putain. Ah, je suis obligé de le battre. Tenir ça, je pensais qu'on perdait contre le rival. Oh, il fallait qu'il fasse vive attaque et qu'il attaque en premier quoi. Un, deux, pouette. Ça donne quoi, morsure? Bon. Trop de ses morts.
Allez, ciao. Voilà, quand ça se passe comme ça, c'est bien. Une bonne RNG. Oula, calmos minable. T'as gagné, ok. Eh, tu sais quoi? Je suis allé chez Léo. Je vais tout montrer ses Pokémon rares. Ça m'a rajouté plein de pages sur mon Pokédex. On sait que Léo est un maniaque. Il a même inventé le stockage des Pokémon par PC. Et qu'elle est loin. Bon, je trace, tu es formidable. Mais comme. Je se soigner. Bon, on fait l'arène ou on fait le pont d'abord là? Dilemme, dilemme. De toute façon, c'est l'arène, elle est à côté. Et on ira au pont après. Allez, on dîne. Allez. Les nageurs. Plaouf. Je suis Prums, baston. Hippotrempe. Mordre un coquillasse sans se faire mal. Il y a quand même de la défense. Oh, car. Allez, niveau 25. Ah, c'est dingue. Je suis très balèze. Ondine attendra. Dresseuse junior fille. Sirène. Au niveau 19. Manger un poids sirène. Bien. Blondine, salut, à nouveau. Tu peux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages? Moi, je leur fonds en tas avec mes Pokémon. Allez, file-moi. Stariton Staros, là. Long feu, tout ça. Oh. Ah. Ah.
un peu plus long. C'est fini. Page cascade pour moi. Waouh, tu es super fort. Très bien. Je te donne le badge cascade. Oh, battu. Badge cascade oblige tous les Pokémon d'un niveau inférieur à 30 à t'obéir. Changer aussi. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS Coupe. Tu peux couper les arbustes pour de nouveaux chemins. Et aussi ma cité favorite. Badge, hein. Pépite, 5 dresseurs, défendre ce pont, panneau, et tu seras super content. On va pouvoir y arriver. Je pense que oui, hein. Je suis la deuxième, ça rigole plus. Je suis le troisième, c'est pas gagné. Je suis le quatrième, t'en veux encore? Attaquer du combat, parfait. Battu.
Ok, je suis le cinquième. Je suis le 5. Je vais te broyer. Faire au singe. Aux yeux. C'est tout ce qu'il avait? Ah, purée! Félicitations, tu as battu les 5 graisseurs. Tu as gagné un fabuleux prix. Hit! Rejoins la Team Rocket. Nous sommes des graisseurs de Pokémon très méchants. T'intéresses? Sûr? Allez, viens. Bon, je t'ai dit de venir avec nous. Je vois. Je vais me montrer plus persuasif. Salaud! Tu m'as bien persuadé, hein. Ah, tu es très fort. Tu pourrais vite devenir un chef au sein de la Team Rocket. Se battre. Attends. À chaque fois, même si un Pokémon intéressant. Des dresseurs ici. Ah, je peux pas me soigner. J'arrive du Mont Sélénite, je suis prêt. Montagnard. Oh, Machoc. Oh.
Piouf, balèze. Les dresseurs viennent ici pour s'entraîner. Tu es bon gagnant. Tu vas voir Léo. Tu vas voir Léo. Ok, et d'abord, passe ton haut. Oh mon Dieu, je tremble. Niveau 28. Bien. Je suis allé à une super fête sur l'océan, à Carmin-sur-Mer. Oh, le Saint-Anne. Ramolost. Ça risque de faire mal, non? Oh, please. Ya, je suis pas fou. Parce que je vais arriver au bout sans me soigner, quoi. Mon petit copain, c'est le plus beau de tous. J'ai le plus beau de tous les copains du monde. Ok, nickel. Je pensais à mon mec. Il reste deux, je crois. Je cherche le collectionneur de Pokémon. Il est juste un peu plus loin, donc si tu restes planté là, tu le trouveras pas. Hein. 4 Pokémon. Vraiment, ça va le faire, hein, si... comme Roche et Sol. Et 3 et de 4. Je suis cool, j'ai une copine aussi.
Allez. Et niveau 29. Zut, 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 zut. J'ai pas coupe, tu... Je trouve coupe. Non, il en reste un. Deux même. Rendu, non. Il y a un vrai sort de trop ici. Je serais bien chaud à vraiment pas faire demi-tour pour aller juste me soigner pour... Il me reste 4 attaques morsures. Non, pas charge! Je voulais faire pistolet à eau. Heureusement qu'il a fait jet de sable. Hein. Ah, je suis trop. Ouais, casse-toi. Mon copain a des Pokémon trop nions. Je suis jalouse. Dernière attaque morsure. Je suis pas jalouse, je suis nul. Ah, je suis un Pokémon. Non. Appelle-moi Léo. Je suis un vrai Pokémaniaque. Tu me crois pas? C'est vrai, j'ai raté une expérience et me voilà changé en Pokémon. Oh, maintenant, m'aide. Je vais dans le téléporteur. Je programme sur mon PC. Ce soir, c'est ravioli, bagarre. Ah ouais, ce soir, c'est scalope avec champignons à la crème. Le risque d'agression, ça n'a vraiment pas de sens, oui. Bien sûr. Yahoo! Merci mec, je t'en dois une. Bon, tu es venu pour voir ma collection de Pokémon? Non, tu rigoles. Ouais, prends ça en remerciement. Ah, le pass du bateau. L'océane, le bateau est à Carmin. Les passagers sont ta sœur. Je suis invité à leur fête, mais je ne supporte pas ces marioles. Vas-y à ma place. Allez sur le Saint-Anne du coup. Ces pauvres gens ont été volés. Le Steam Rocket est derrière tout ça, c'est sûr. Même les forces de police ont du mal à l'user. Steam Rocket doit maintenant creuser des tunnels dans... Ces Rockets, ils sont si méchants. Regarde ce qu'ils ont fait ici.
On volait une CT pour apprendre Pokémon à... écouter le feu de la tête. Salut. Hé, hey, le lutin. Pas chez toi ici. Quoi? Moi? 100? Hein? Quoi dit? Je crois pas. Je cherche. C'est sûr, le voleur qui reste derrière la maison, c'est... personne ne verra. Horrifique. Horrifique. Stop, je me rends. T'es trop fort. Ok, voilà la CT que j'ai volée. Les camps, bye bye. J'ai volé la CT, mais je leur rends pas, quoi. Mauvaise fortune, bon cœur. Je vais apprendre à mon topiqueur à creuser elle sans CT. Je l'ai, en fait. Je suis pas donné, hein. J'ai pas encore coupe, hein. Coupe, on la prend après, hein, j'imagine. Là, c'est pour avoir le... On peut avoir... Ah oui, c'est dans cette... C'est dans Azuria, on peut avoir le vélo. Vraiment. Ça coûte 1 000 000. Donc ça, c'est... Ici, je pense qu'il y a la... Il y a la baraque pour apprendre à... Tu peux laisser tes Pokémon et le mec, il les fait... Il les fait combattre et évoluer en niveau, quoi. Seul, quoi. Je vais donner mon carabaf, comme ça je me bats avec les autres de niveau 3. Je suis de garde, mais je crève de soif. La route est fermée, dégage. Souterrain Azuria, Carmen-sur-Mer. Salut, tu as un Nidoran mâle? Un joli nid en femelle. Les gens vont souvent tomber des objets dans les souterrains. Encore des dresseurs. C'est plein d'insectes ici. Encore une demi-heure, putain, t'en passes vite. T'en passes vite quand on appuie sur A. Hein. Thank you.
Oh, au niveau 30. Qui est là? Arrête de nous espionner. Oh, carapuce. Privé, dégage. Oh, un miaus. Yes. Reviens. Ah, fait longtemps qu'on n'a pas capturé de nouveau Pokémon. Il adore les pièces de monnaie. Là. Et enclairé à la recherche de pièces oubliées par les passants. Je t'ai jamais vu dans le coin, t'es puissant. Scoot. Rap illusion, tiens. Ok, attaque. C'est vrai que les phrases, ça n'a aucun sens. J'ai au boulot, t'sais. Bonjour, j'aimerais FF7. Ok. Hop, Paglop. Hein, tu veux me causer? Cafabec. Ratatake. Gros
c'est mort. Niveau 31. C'est d'apprendre repli. Rien fait. Et on arrive à Karma. Quelle pêche, non? Je suis le maître pêcheur. La pêche, moi j'adore ça. Oh, petite tête, oui. Terrible. Moi, je t'aime bien. Prends ça, il pêche. Ah, voilà. Pêcher, c'est la vie. Et la vie, c'est la pêche. Rissou jusqu'aux océans. Pêche, pêche et pêche encore. C'est la pire scène d'inventaire pour ce Pokémon. Oh, ça mord. Magikarp. Au 5, un Léviator niveau 100. Bon, on va essayer de l'attraper comme ça. Parce que je vais le tuer, hein, le pauvre, si je... Méga mince, ouais. Méga mince. Fameux jeu sur NES. Ouais, bon, bah vas-y, vas-y, hop, allez, meurs. Ah ouais, qu'est-ce que tu... Attends, j'ai une idée. Du coup. Bon, bah zut. Si, mais c'est ce Magikarp. Comme dans l'épisode de JDG, genre de force. Putain, et faire évoluer un Magikarp en Léviator, legit, c'est genre, ça va être, c'est infernal. Hein. Où il faut en choper un niveau, niveau 30, quoi. J'ai un Magikarp. Autrefois, il était beaucoup plus puissant que cette créature minablement faible. Top cool. Pépite, par contre. Et des super potions. Va apporter une lettre jusqu'à Safrania au nord. Cher Rukundo, j'espère te voir très bientôt. On raconte que Safrania a des problèmes avec la team Rocket. Karma sur mer est paisible.
peux pas. Ouais, j'ai pas encore coupe, donc je peux pas aller faire la reine encore. Allez, ça sent la réunion de furie, ça. Salut, t'as un piaf avec ? Un joli carnet de tichou, non. L'océan au port. Vas-y, par là. Ah bah, je peux pas. Si, là, il y a aussi des trucs. Après, il fait tout noir, non? Oh, les topiqueurs. Ah, c'est le tunnel des topiqueurs. Capturerai pas un petit topiqueur. Il y a des trio piqueurs des fois qui peuvent pop, c'est rare. Mais... Il vit à 1 mètre sous la terre, se nourrit de racines. Il apparaît rarement à la surface. On ira plus tard. Hein. Bon, aller vers le Sainte-Anne, l'océan. Bienvenue à bord de l'océan. Je joue à votre passe. Et crâne à mort. Si, à mort. Tion, simplement, perdué. Quel crâneur ce Sylve est toujours su. Quel crâneur! Toujours en solitaire, les Pokémon sont mes amis. Un bateau dans ma chambre. Je pense que j'aurai le temps peut-être que juste finir le bateau, pour pas faire l'arène par contre. Ah, son air. Daninos. Je suis pas au courant, mais c'est la fin pour toi. What the fuck? Genre, je one-shot pas de Daninos avec écume, quoi. La RNG, ouais. Le frère pisse là-haut, ça devrait marcher alors. Bon, petits amis. On va essayer toutes les portes, hein. Les cabines. Toi, jeune saut, vous entrez ici? Coup de corne. We'll be right back.
Il a fait de choper l'antidote hein, quand même. PSN, c'est bon. Serveur, amenez-moi une tarte aux poires. Je suis toujours avec Gros Doudou. Ah, une croisière, c'est tellement romantique. Ah, attends. Quoi ? Tour du monde pour ce résultat ? Si je fais ça, je bloque l'autre dresseuse. Et voilà, sans lui parler, je n'ai plus besoin de faire combat en fait. Tire. Il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent. Je suis jamais dans cette salle. Super Bowl. J'ai ta d'ordure. Escalier. Mes voyages, je n'ai jamais vu un Pokémon dormir autant. Il était un peu comme ça. Ah, Ronflex. Hey, regarde ce que j'ai pêché. Pêcheur veut se battre. Voici, voici, voici. Niveau 32. Oh, t'as cool. Et repoissirait. Contre les jeunes me maintiennent en forme. Ketchup.
Je suis en pleine forme. L'inventaire est plein. Pur. De petits poissons avec la technique. J'ai vu des gens transporter par de l'eau. On va se battre contre lui. Tu es un peu quand même costaud ou rare? Je pense 13-12 minutes. J'aurais 10 minutes de plus, je pense qu'on peut peut-être faire le troisième batch, quoi. J'ai pas vu qui. Bonita. Bah... Sort que Caninos, hein. Ciao. J'ai déjà vu Park Safari à fond. Ah voilà Molly. Salut Sylve. Quoi ici? Sans joke. Sylve, as-tu vraiment été invité? T'es venu avec ton pote. Moi j'ai déjà attrapé 40 Pokémon. Minable, il y en a partout. Y'a qu'à ramper dans les hautes herbes. Allez, mon Carabaf défie tous tes Pokémon, parce que je peux faire que ça. Attends, il aura un flou. Un air bizarre, je crois. Toujours aussi sympathique, ce Moliman, ouais. Par contre, j'ai plus de potions et... J'ai pas me full vie, quoi. S'ils sont air bizarres et aussi chiants que tout à l'heure... Bah non, tout à l'heure, c'est que... La première fois était chiant. Ah, son Rattata a évolué. Putain, mais pourquoi je le one-shot pas, t'sais. Un croc de mort, ça fait tellement mal. On a failli avoir un Tortank. À 3 niveaux près, on a un Tortank là. Pas besoin en fait de farmer comme un porc pour un Tortank, quoi. Bien. Air bizarre, enfin il a évolué. Allez, ça dégage. Sylve a vaincu Moliman. Au moins tu t'occupes de tes Pokémon. Il y a le maître de la technique coupe à bord. Et ce n'est qu'un vieil homme malade et sénile. La technique est très utile. Je vais le rencontrer. C'est abominable. Capitaine. Oh, je suis pas bien. Oh. Sylve. Sylve masse du dos le capitaine. Scratch, scratch. Merci Moussaillon. Ça va beaucoup. Il s'aborde, tu peux voir la technique coupe. Je pourrais te la montrer, mais je suis malade. Je sais, prends ça. La technique coupe. C'est là tes Pokémon. Ah zut, tu n'as pas de place pour cet objet. Bon, attends, voyons les CT éclatés que j'ai récupérés. La cage. Servir. Servir. Cage éclair. C'est ça, cage éclair?
Oh, il me redit tout son machin. Et je te gratte le dos. Gratte-moi le dos. C'est pour ça. T'as tes Pokémon. Obsess 1. Et quoi à l'étage? Chance. Capitaine est un maître d'armes. On dirait qu'il a genre le crâne rasé, tu sais, on dirait un hooligan. J'ai la flemme. Je fais pas tous, non, non, non. J'ai pas le temps. J'avais même pas qu'il y avait un envie. Marin veut se battre. Des endroits que j'avais jamais fait sur ce bateau. Quel pont, c'est un travail épuisant. Sœur, je suis malade. Comme... Puis en dresseur, la fête est finie, nous allons bientôt couper l'ancre. Quand t'es un dresseur, tu bouges pas. Oh oh, alors on a le mal de mer. J'ai deux super bonbons, c'est-à-dire que là, si je passe niveau 34, je peux utiliser les deux super bonbons et faire évoluer mon Karabaf en Tortank direct, quoi. Sauf que le problème, c'est que quand tu fais ça, tu augmentes pas tes stats, quoi. C'est-à-dire qu'il va évoluer, mais rester niveau, on va dire... Je sais pas si ses stats augmentent, je suis pas sûr. Elles sont nous. Putain, fais chier. Allez, 5 minutes en plus, il m'aurait fallu. Alors, comment on apprend coupe déjà? N'importe qui peut apprendre coupe. Allez, hein. Putain, mais j'ai aucun Pokémon qui s'est coupé un truc. Putain, mais Rattata, il a des dents, je sais pas, non? Allez, on va s'arrêter devant ici.
Ça, on sait où est-ce qu'on en a. On est. Putain, mais pitié, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu streamer. On va aller chez Nain, il fait du Cookstar and Delicious. Namok. Allez go. Du coup je vous dis à jeudi. Jeudi matin, on va faire un stream aussi dessus jusqu'à 11h30 midi, ouais, sûrement. Allez, je vous fais des bisous, à plus.